Merci beaucoup. Vous savez, on n'est pas venu ici aujourd'hui pour parler beaucoup. Le président Bédié est là. Alassane Ouattara est vivant. Celui qui a fait le va-et-vient entre les deux hommes ces 10 dernières années, c'est votre serviteur. S'il y a quelqu'un qui sait ce qu'ils se sont dit de 2011 à 2019, c'est votre serviteur. Mais le temps de parler viendra. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Nous sommes venus ici pour dire un seul mot, pour dire non à Alassane Ouattara. Pour lui dire que son troisième mandat est anticonstitutionnel. Lui-même nous a dit en 2016, au moment du vote de cette constitution, que cette constitution ne l'autorisait pas à se présenter à un troisième mandat. Et nous avons fait campagne avec ce slogan qui existe. Il est écrit sur ce slogan du RHDP de l'époque. Cette constitution ne permet pas au président Ouattara de faire un troisième mandat. Cette constitution n'annule pas cette disposition des constitutions précédentes. Alors, il nous aurait fait mentir. Je vous le dis, il a peur. Il a peur de cette Côte d'Ivoire que nous représentons. Il a peur de la Côte d'Ivoire de la majorité. Il a peur de la Côte d'Ivoire plurielle. Elle est là, devant vous. Regardez-les, je ne peux pas vous citer tous les leaders qui sont là, enrichissant la Côte d'Ivoire de leurs différences, sachant se mettre ensemble pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, sachant se mettre ensemble pour défendre l'appel à la désobéissance civile, qui est un appel pacifique à ne pas verser le sang des Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne ferait à ses frères Ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la majorité. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la force tranquille. Nous sommes la Côte d'Ivoire de l'âme des forts. L'âme des forts, c'est le dialogue. Et l'âme des forts, le dialogue, aura raison de l'âme des faibles, qui est la force, qui sont les armes, qui sont les tanks, qui sont les militaires, qu'ils ont déployés aujourd'hui dans les rues pour vous empêcher d'arriver ici. Mais vous êtes quand même venus. Disons à tous ceux qui sont dehors, qui sont aux abords du stade, qu'on empêche de rentrer. Il y a une centaine de cars venus d'Aboisso, de Bonnois, qui sont bloqués à l'entrée de Bassam. Disons-leur de ne plus avoir peur. N'ayez pas peur. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara.
Nous sommes prêts. Nous ne reculerons plus devant rien. Nous sommes debout. Nous en avons marre. Dites-lui de libérer notre pays et de nous le rendre. Le pays de la fraternité, le pays de la liberté, le pays de l'amour. Que Dieu vous bénisse. 1-1 à la salle à chaud. 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 1-1 à la salle à chaud.